mèche tonnée, attire le piercing dans la galère. Je lui dis, t'enlèves le piercing. Oui, c'est lui. T'enlèves le piercing, tu rentres chez toi. Et en plus, je constate que t'as pas l'âge que tu me dis. Oura, retraite. Oh, je retiens. J'ai enlevé le piercing de sa gueule. Oui, c'est vrai. Mais il y a personne qui me michetonne. Atterrait fait rentrer pieds nus. M'a dit, ah ouais, c'est trop méchant. Vous avez fait rentrer pieds nus. J'ai dit, non, c'est trop méchant. A dit, vas-y, rentre chez toi. Par contre, pensez, non, tire le dialogue. Tu vas rien gratter. Nous passons un petit moment tranquille, agréable. Mais comme Aurel s'est michetonné, moi, j'ai tiré personne dans la galère. Et les filles, je vais vous dire un truc. Ne venez pas michetonner ici. Menez l'argent là, craquant. Ramenez l'argent. Ne venez pas. Ça marche pas. J'ai une boule de cristal là. Ah ouais, vu ce petit tour, c'est là, oui là. Putain, j'ai chaud. Un autre boule de cristal là. J'ai une putain de boule de cristal. Un autre boule de cristal, voilà. J'ai une boule là. Un autre boule là. Non, j'ai deux boules, mais un nouveau boule de cristal. Aujourd'hui, un nouveau boule. J'ai deux boules, mais j'ai une boule de cristal et je bats tout. Et je dois mettre une ceinture qui coûte 7000 euros. On va mettre ceci là. Sinon, c'est la merde. Je dois mettre une ceinture qui coûte 7000 euros. Faut moins faillir. Je n'ai pas le choix. Quand t'es lancé, t'es lancé. On s'étire en route 5000 euros. Écoute, regarde ça. Ah, maintenant, on s'étire en route 5000 euros. Tu me comprends? Tu crois pas, j'ai un gueule. Je te dis une ceinture. Une ceinture qui coûte 5000 euros. Mais celle-ci-là, ça, maman. Là, on est celle-ci-là, ça. Maman. Impossible de me toucher. Alors. Je vais faire mes festins, faire du chaud, je sais pas comment c'est. Faut que je me rase. Ça capouche tellement vite. Gessa est non moussine qui est vraiment poilu. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est là le docteur, le dermatologue? Il y a le shampoing L'Oréal aussi. Merci beaucoup. Au quatrième étage, le shampoing L'Oréal. Ok, merci. Ouais. Oui, bien sûr, mais tout le monde est gentil. Hein. Bon, putain, il y a des keufs, mais la keuf, elle est bonne. Merde alors, si vous voulez mon conseil, offre-moi un commissariat là direct. Oh là là, mais quel cul qu'elle a d'enfer. Oh là là, mais bah, il y a le policier, là. Voilà, comme ça c'est fait. Il y a ça, ramaché, il y a ça, wow. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tout le monde me regarde? Je pas, je vois un Américain ramaché là, là, avec un peu torse nu. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Va passer, il y a une police là, il y a ça, il y a une police là. Il y a une police là, il y a une police là, regardez-moi. Et vous, prenez un moment, hein. Prenez un moment. Bonsoir, bonjour mademoiselle. Vous êtes très belle, hein. Vous êtes ravissante. Vous êtes entière. Waouh, magnifique. Hein. Ah ouais. Vous, et pour Marquis, vous avez Instagram. Vous avez Instagram, madame la policière. Non, mais regardez. Pendant tout ce prenez mon Insta, madame la policière. Reprenez le mien. Hein, le choc. Maman, aïe, aïe. Bonne journée. Hein, genre. Arrête-drague policier. Ah ouais, bon, fermez ça. Non, je passe pour un fou. Ah ouais, bon, fermez ça. Après, c'est pour un fou malade. Je ferme. Ah, on me met à quel point Insta policier là-haut. Et non, arabe là, t'es comme machin là, il te regarde moi avec camionnette. Arabe, t'es écrasé toute voiture, y'en pour y'a maman. Ah, j'ai dit quoi, ça va demander moi là, j'en veux. Moi, je te dis déjà, tu me demandes pas, je te m'en bats les couilles. Y'a maman. Ou non, réseau, un non, réseau aussi, y'en pour y'a maman. Ah ouais, policier, là. Non, elle était gentille. Elle était gentille. Tu m'as mis en belle policière. Alors, beau gosse, comment ça va? Ça va.
Ouais, je sais que tu en as marre de me voir, mais moi aussi j'en ai marre de te voir. Allô? J'aurais préféré qu'il y ait une belle meuf ici. Merci beaucoup, jeune homme. Attends, quand tu veux prendre là. Hein? Du jus. Ah ouais, pour ces policiers, là t'es fraîche ou mal, putain. Ah ouais, t'es ramassé tous nus. T'es mal, t'es ramassé gros malade, gros psychopathe dans la rue. La femme, ah oui, monsieur. Elle est gentille. Ah, voilà les c'est une antillesse, la policier. Mmh. Voilà les antillesses que je respecte. Elle m'a vu, je suis pas dans mon état normal, mais m'a checké. Ah, c'est bien. Bon, ben, rappelez-moi, bon, comme je rapporte en haut. Allez, vas-y, vas-y, je perds rien du tout, frère. Vas-y, je m'en bats les couilles, frère. Il y a maman, hein. On va rappeler yon merde. Ouais, à Kavin tout à l'heure, dis. Je reviens. Comment ça, je fais quoi? Mais comment ça, que tu veux comme si que je t'ai jamais payé? Bon, tu veux comme si. Moi, j'ai un problème d'argent avec toi. Mais tu prends tout autant. Tu prends tout autant. Hein? T'as dit quoi? Je ne comprends pas. Tu parles loin. Pourquoi tu parles loin? Quoi? Je reviens tout à l'heure. Pourquoi parler toi? Tu parles trop. Je reviens tout à l'heure. Tu me connais, Timan. C'est quoi? Quel même ici, frère? Adieu, on va pas payer. On va pas payer, Timan. Voilà. Excusez-moi, c'est la Martinique ou la Guadeloupe? Ni l'un ni l'autre. Ni la Guyane? Oh là, mais qui, où? Où ça? Hein? Mais j'adore, attends, mais venez voir s'il vous plaît, j'ai vu un truc très intéressant sur vous. C'est, il y a combien d'euros dans le chapeau là? Il y a combien d'euros là-dedans? Là, il y a combien d'euros dans le chapeau? Il n'y a pas, attends, mets ton petit pièce, ma monsieur, mettez une pièce pour lui. Vas-y, je vais te mettre une pièce. Si j'ai, je te mets une pièce. Pourquoi tu fais ça? Attends, on va discuter. Bah, on fait le psychologue avec monsieur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? T'es méchant, toi. T'es un méchant. Toi, t'es un méchant. Je sens que t'es un méchant. Ça se voit. Ça se voit que t'es un méchant. Attention au chapeau, attention. 2 euros je te donne. Je te donne 2 euros. Je ne suis pas gentil. Je suis méchant. Je suis méchant. Moi, je suis un méchant. Très méchant. Ouais. Très très méchant. Ouais. Je suis le plus méchant de toute ma vie. Et pourquoi tu n'as jamais d'argent? C'est quoi cette arnaque? Il n'y a jamais d'argent, c'est pour qu'on ne te vole pas qu'il y a jamais d'argent dedans. Pourquoi il n'y a jamais d'argent? Tu es un arnaqueur, bon, prends 2 euros à moi. Vas-y, je prends mes 2 euros, regarde, je le reprends. Encore reprends 2 euros à moi, je t'emmerde. Là, bon, point. Voilà. J'ai repris mes 2 euros, mais c'est son tricheur. Je sais reconnaître les gens qui sont dans la faillite. Bonjour. Voilà, t'es fait au chier, mais on y chance. La police l'a toujours arrêté. Hein. Hey, vous pouvez me mettre une amende? Mettez-moi une amende. Hey, mais c'est qui? Même il est jeune. Hey, qu'est-ce que tu fais quoi? Quand c'est lycée là, là. Monsieur, il est jeune lui. Hein. Oui, bonjour monsieur. Il est où votre truc de policier? Moi je suis en stage. Dans stage? Oui. Mais pourquoi tu mets ton truc de policier? Comment ça ne te fait pas? En fait, il faut mettre l'uniforme. Hein. Mais il faut qu'il vous ressemble. J'aimerais tellement qu'il vous ressemble. Si tous les policiers étaient. Comme vous regardez comment elle est belle, la policière. Oh, la policière. Quelle policière. Oh là là. Mais pourquoi tu ressembles pas à la policière comme ça? Je suis en stage. T'es en stage? Ouais. Mais il faut faire beaucoup de stages pour être comme la dame. Ouais, regardez, beaucoup de stages. Ah, oui. Bonne journée. Merci. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Ah ouais, quelle belle policière, on dit, mais ça c'est une policière. A TTM, foutez-moi en garde à vue, parce que là j'aurais kiffé le moment, j'aurais souhaité qu'elle me foutre en garde à vue. Encore on t'aime, moi pas check t'aime, moi je check des vrais policiers, mon policier en vue. Non là je suis sur le charme. Ah la femme la fraîche,
Enveloppe policière. Non, elle, je la veux. Ah non, elle est là. Moi, je vais ranger ma vie pour avoir cette meuf. Non, là, arrête, ranger bien, moi. Arrête, uniforme là, ça. Vous voulez de l'aide? Bonjour. Vous voulez de l'aide? Vous voulez de l'aide? Je suis tatoueur, si vous voulez. J'ai des vrais tatouages. Ah oui? Oui, oui. Tatoueur, opération. Si vous voulez, prenez mon Instagram. Prenez mon Instagram. Je suis juste au téléphone avec vous. D'accord, oui. Bonne journée, désolé de vous avoir dérangé. Vous ressemblez à Pamela Anderson, mais oui, en brune. Voilà. Pamela Anderson en brune. Bon, bref. Bon, fou, quoi, là. Avant, y'a pas fou, y'a pas crié police là-bas, mais. Y'a pas fou, moi, c'est des déplacements. Bonjour, monsieur, pourrais-je vous aider? Vous avez l'air un peu très, très. Non, je suis un toubib, là. Docteur Kéliskel. Un toubib, c'est quoi un toubib? C'est pas dans le dictionnaire français. Oh, on dit ça, je ne connais pas. Ouais. Un toubib, je ne connais pas. Je vais vous aider, d'accord? Je vais chez Schkers, et il n'est pas là, je ne sais pas. On va alors, je vais vous aider. Merci. De rien. L'Oréal, parce que vous le valez bien. Alors. Veuillez patienter, s'il vous plaît, nous traitons votre appel. On va traiter votre appel. Ça marche pas. Bah, je sais pas parce que. D'accord. Je crois qu'il est malade en ce moment. Enfin. Puis... S'il te plaît. Un bout comme NVNTV. Écoute, si t'es pas content, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Je fais ce que je veux. Je raffine mon anglais. Si vous voulez pas qu'on filme, yo raffine mon choc en gain en main et en que comprendre. C'est pas toi qui dois dire je sais pas quoi. Ou c'est Mouna. Ou c'est Mouna. Bonne journée, monsieur. Est-ce que c'est Mouna? Bon, monte, bonjour, merci. Excusez-moi, j'ai fait une pub pour le Real, c'est pour ça que je suis sorti. Oui, je la vois, elle est très gentille, je la vois. Excusez-moi, j'ai fait un peu de musculation, j'ai fait de la pub pour des protéines et tout. Mais moi, je ne prends pas de protéines. Voilà, très professionnel, pas besoin. Ouais. Et puis, non, je ne prends pas de poutine. Bonne journée, madame. Merci, vous aussi. Vous êtes venu avec le taxi, alors, votre femme, je l'ai non, non, je suis avec ma femme. Bon, 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 voilà. Oui, oui. Mais vous avez une voix, madame. Vous êtes une chanteuse. Pas du tout. Vous avez une belle voix. Hein. Gentil. Mmh. Bon, arrêtez de faire mon chez Jolie là. Voyons pas, dis-moi quand ils sont faits chier. Écoute, écoute, je vais te dire un truc. NV. Je t'emmerde. Je filme qui je veux, quand je veux. Si vous voulez pas filmer, il y aura fou mon bal, il y aura fou mon choc. Ce n'est pas ton problème. Arrête de me faire la morale. Tais-toi. Laisse-moi tranquille. Je t'ai rien demandé, frère. Foutez-moi la paix. Fous-moi la paix. Je ne me fais pas la morale. Je m'en fous. Un policier, on l'a dit en mitin. Ou pas avoir t'es qu'à discuter avec eux tranquillement. Espèce d'imbécile que tu es. Mon pavot, ils sont tes bêtes. Ou pas avoir t'es qu'à discuter avec policier, on l'a tranquillement été qu'à rire. Policier, là, même au début, t'es qu'à après, ça aurait été cool. Mais fais mes gueules là, mal Marco, pourquoi t'es Marco comme ça? Eh, veille, croque ta femme, ou pas vrai femme, on t'a trompé, tu vois pas que ta meuf elle te trompe, espèce d'imbécile. Femme, on t'a trompé, c'est mon ravine veillé. Mais rêve, au cas où on t'a veillé, mon ça, ou Marco, mais t'es un pédé. Est-ce qu'on sont pédé, t'es mal? Ou l'aura veillé, moi, tu vois pas que je drague une policière? J'essayais de me faire une policière, Rastafarwise. Mais c'est le. Qu'est-ce que je crois, ravine, mon chien? Il tournait une tête de mouton. Putain, c'est quoi ces conneries? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais quoi, t'es bloqué? Ah ouais, bloqué, bloqué. Ok, non, oui, moi. Il s'est gagné, oui, moi. Ah là, là, j'aurais été débloqué après. Mais encore bloqué, tu vois, je te bloque. Tu vois, encore bloqué, tu vois, c'est mieux. Je te bloque histoire de. Tu vois, voilà, parce que là, déjà, je suis pas de bonne humeur. On était déjà avec ton but en séquestration, alors qu'on passe séquestrer pour moi. En séquestrant mon avant, on va parler avec la police là. On va venir raconter mon paquet de connu. Il y a un moment, hein, Thibaut. Espèce d'imbécile, va. Voilà. Nous bloquer pendant quelques jours. Je vais tous vous débloquer dans pas longtemps. J'aurais même pas les bons mots, l'autre gens. Ou genre, oui, je t'insulte. Je t'ai insulté, je t'ai bloqué, espèce d'imbécile. Espèce de gros couillon que tu es. Imbécile. Espèce de gros imbécile que tu es. Tu vois pas que tu frère, ou Ravine, dis-moi, en cas de police, c'est des policiers, je l'ai. Ils m'auraient foutu en garde à vue, mon frère, des policiers qui l'ont pas voyant, t'es qu'à essayer de gérer Rastafarwise là.
La policière, elle était tellement fraîche et douce, je voulais lui lécher la cocotte au grave, me dit, moi, je sais pas quoi, mais t'es complètement débile ou quoi, espèce de blessé. Fous-moi la paix, frère. Connard. Bon, hey, kaka, je vais, kaka, aujourd'hui, je travaille pas, je suis complètement défoncé. Arrête, chien, Timal, vous voulez m'accompagner aux toilettes? Est-ce qu'elles ont ramené papy cul là, maman? Coucou, là, maman. Ouais, pardon. Ouais. Pas avec Timal, fous-moi, maman.